Coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour faire une petite vidéo, donc revue et concours, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous annoncer un petit concours, donc pour commencer, donc je vais vous faire la petite revue. Donc j'ai reçu de la marque Farida B trois produits de leur gamme. En fait, donc Farida B c'est une dame qui a créé des shampoings spécifique normalement pour les cheveux très frisés type africain, donc des cheveux très secs, très frisés et très abîmés, etc. etc. Donc il existe deux gammes de shampoings en fait chez eux, et moi j'ai pu tester la Hydra Force et il me semble qu'il y a la Hydra Freeze également. Donc voilà, donc moi je vais vous présenter trois produits que j'ai reçus de la marque, donc gratuitement, et c'est des produits qui sont juste géniaux, je suis juste ravie par ces produits. Donc premièrement, je vais vous montrer ce shampoing là. Donc j'ai eu deux shampoings et un soin. Alors j'ai eu le shampoing Peeling Total Comfort, donc qui est comme ceci. Donc je m'excuse pour la bouteille qui peut être un petit peu sale avec des gouttes d'eau de calcaire, etc. Mon eau de chez moi est très calcaire et en fait quand on laisse poser la bouteille sur le rebord de la baignoire ou quoi, il y a des gouttes dessus et donc ça fait qu'il y a un petit peu de calcaire. Mais bref, à la limite ça on s'en fiche un petit peu. Donc je vais vous parler un petit peu de ce shampoing là. Donc je vais vous montrer, voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Alors... petite parenthèse, au niveau de la luminosité, il fait gris et il commence à pleuvoir. Donc je m'excuse, j'ai allumé ma lumière artificielle, mais bon, elle est juste pas suffisante. Donc j'espère que ça va et que vous arrivez quand même à voir un petit peu ce qui est écrit. Voilà. Donc voilà pour la petite parenthèse. Et sinon, voilà, donc j'ai juste changé un petit peu d'inclinaison face à ma fenêtre. Avant j'étais complètement face à ma fenêtre, elle se trouvait complètement face à moi, et là je suis face à la fenêtre mais sur le côté. Donc j'espère que ça va quand même au niveau de la luminosité. Si vous trouvez que ça va pas du tout, que c'était mieux dans les visites déo avant, dites le moi, je rechangerai, je me remettrai là bas mais c'est pour avoir mon coin en fait, ma petite table, enfin c'est ma commode, je vais y arriver. Donc c'était pour avoir ma commode en fait, pour pouvoir poser mes produits juste à côté de moi, parce que sinon j'ai rien du tout en face de ma fenêtre, donc voilà, c'était un petit peu chiant. Bref, alors donc je viens vous parler de ce produit là, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais je vais d'abord me munir de mouchoirs pour après enlever ce que j'ai sur la main. Je vais prendre des cotons démaquillants. Alors, donc je vais déjà prendre un coton démaquillant. Alors, donc je voulais vous montrer donc ce shampoing là, peeling. Alors c'est un shampoing qui est là pour faire un peeling à vos cheveux. Donc un peeling c'est comme un gommage, comme pour le visage ou le corps, etc. Donc en fait c'est une action qui va venir gommer en fait votre cheveu cette fois-ci, donc puisque c'est un shampoing, ça va venir gommer, donc il y a des particules, des petits grains en fait dedans qui vont venir enlever toutes les peaux, enfin j'allais dire les peaux mortes, mais parce que je pense au visage, mais tous les cheveux morts, cassés, etc. Toutes les particules, le silicone qu'il y a sur les cheveux, enfin toutes ces mauvaises choses en fait pour le cheveu, ça va venir le gommer et l'enlever. Donc ça, la conseillère donc m'a dit de l'utiliser maximum une fois par mois, parce que c'est quand même assez assez gommant, donc faut pas trop irriter le cheveu. Donc c'est aux huiles végétales, c'est sans parabènes et sans silicone, donc je tiens à vous préciser, donc c'est marqué juste ici. Voilà, et donc voilà, alors je vais vous montrer rapidement, je vais essayer de vous d'en prendre un petit peu, voilà. Alors il m'en reste quand même parce que j'ai pas tout utilisé, voilà, donc là j'en ai mis au niveau de ma main, donc je sais pas si vous allez voir les petits grains qu'il y a dedans. Donc je sais pas si vous allez les voir. Non, là on voit rien du tout. Bon bref. Bref, on ne voit rien du tout, donc ça sert à rien que je vous montre. Mais quand on masse au niveau des cheveux, en fait, on sent bien tous les grains et tout ça. Et c'est même. C'est assez étrange. Donc faut le faire sur cheveux secs et non sur cheveux humides. Voilà, donc pour enlever les particules. Parce que vous savez, quand les cheveux, quand ils sont humides, les écailles en fait sont ouvertes.
et on risque d'abîmer plus le cheveu qu'autre chose. Donc vaut mieux le faire. Enfin, on m'a dit qu'il fallait le faire donc sur cheveux secs. Donc voilà. Ensuite, vous avez les cheveux mais complètement emmêlés, c'est une catastrophe. Donc c'est clair que là, il vous faut un autre shampoing et c'est le shampoing qui va avec et c'est juste formidable. C'est le shampoing restructurant, donc pareil aux huiles végétales, sans parabènes, sans silicone, exactement comme l'autre. Donc celui-ci, c'est le soin restructurant. Le shampoing restructurant, pardon. J'ai un peu du mal, je suis désolée. J'essaye de me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie et il faut que je vous fasse cette vidéo-là assez rapidement. Donc ce shampoing, il est vraiment génial. C'est un des shampoings que j'ai testé. C'est même le shampoing que j'ai le plus apprécié de toute ma vie. De tous les shampoings que j'ai essayé, il est vraiment génial. Il vous laisse les cheveux vraiment très propres, très soyeux. Très démêlé aussi également. Donc voilà, enfin ce shampoing il est juste vraiment génial. Moi j'adore et c'est clair que j'hésite. Je pense vraiment à le racheter celui-ci parce qu'il est vraiment bien. Et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce shampoing-là qui va bien entendu avec son soin qui est le masque soin restructurant de jour. Donc c'est celui-ci. Donc je ne vous ai pas parlé de la contenance. Pour les deux shampoings, il y a 250 ml. Voilà, deux produits. Et en revanche, pour le soin, il y en a 300 ml. Voilà. Ouais, donc c'est juste écrit là. Donc il y en a 300. Donc on en a vraiment beaucoup, pas mal. Alors moi, il m'en reste à peu près jusque-là. Parce que moi, j'en mettais quand même assez. Au niveau du shampoing, c'est pareil. Il m'en reste à peu près la même quantité. Donc ça va. Ce soin, il est juste génial. Mais vraiment, c'est une tuerie phénoménale. J'ai jamais testé un truc aussi. Comment vous dire, je sais pas, il m'a tellement convaincu que c'est pareil, ce truc-là, je pense qu'à mon avis, je vais le racheter, c'est obligé, parce que, voilà. Je vous ai pas parlé de l'odeur aussi, l'odeur est juste une merveille, ça sent super bon, ça sent les shampoings de coiffeur, en fait. Moi, je trouve, ça sent vraiment, ouais, c'est vraiment, on sent que c'est des shampoings de coiffeur, c'est pas un shampoing type, je sais pas moi, Garnier ou quoi, avec des odeurs fruitées ou je sais pas, voilà. Donc, ce soin, donc en fait, moi, ce que je devais faire, c'est que je devais me l'appliquer une fois sur cheveux humides, donc le laisser environ 5 minutes, même pas, elle m'a dit, on le laisse le temps qu'on en a envie, mais si on a envie de le laisser 5 minutes ou 2 minutes, on le laisse 2 minutes, donc sur cheveux humides. On rince les cheveux et après ça, on applique en fait, on éponge en fait bien nos cheveux comme si on allait les sécher. Donc avec une serviette en coton pour que ça absorbe toute l'eau des cheveux. Et ensuite, on réapplique le shampoing, enfin le soin plutôt, sur toutes les pointes en montant légèrement au niveau des longueurs. On s'arrête là et après en fait, on coiffe tous les cheveux avec un peigne de haut en bas en fait. Comme ça répartit le produit partout, mais il y en a plus au niveau des pointes qu'au niveau du haut de la tête. Et en fait, on laisse poser, il me semble que c'était environ 20 à 30 minutes. Mais bon, après, moi ça, je laisse le temps que je peux le laisser. Si je peux le laisser plus, je laisse plus. Si j'ai pas le temps, je laisse un petit peu moins. Le résultat est quand même là, même si on le laisse poser 10 minutes, je vous assure, je l'ai laissé poser 10 minutes et il y avait une belle différence. Donc, ce que j'ai constaté avec cette gamme de shampoings-là, j'ai constaté que mes cheveux, quand j'utilise ces shampoings-là, donc ils sont beaucoup plus souples, ils sont très aériens. Ouais, ils sont vachement ils sont souples, ils sont aériens, ils sont très doux, ils sont démêlés, mais on peut pas mieux démêler les cheveux qu'avec ça, avec le soin, c'est juste un truc de dingue. Quoi d'autre? Mes cheveux ne se sont. Ils n'étaient pas tant abîmés que ça. Faut que je dise quand même ce qui est. Mes cheveux sont pas tant abîmés que ça, mais c'est vrai que ça leur apporte comme si ça leur apportait la nourriture en fait. J'ai l'impression, c'est assez étrange de dire ça, mais vraiment je les sens en bonne santé, en vitalité, en tout ce que vous voulez. Enfin, mes cheveux sont super soyeux en fait Et avec donc en cette fait, je suis gamme-là. super contente car je vais pouvoir faire tester ces produits-là donc à trois gagnantes. Donc il y a trois personnes qui vont pouvoir gagner. Alors je vais vous expliquer en détail. Donc trois personnes peuvent gagner deux produits
de leur choix, donc au niveau des soins et des shampoings en fait. Donc moi sérieusement je vous conseille vraiment le shampoing restructurant et le soin restructurant en fait ces deux produits-là parce que vous pouvez en gagner deux. Donc ces deux produits-là franchement je vous les conseille. À la limite le peeling c'est je trouve que si vous voulez, si vous avez déjà votre soin, votre masque favori, à la limite vous pouvez prendre le peeling et le shampoing restructurant, mais franchement prenez pas le peeling sans le shampoing parce que le peeling il va vraiment vous décaper bien les cheveux et il faut vraiment un très très bon shampoing et je pense que celui-ci c'est le mieux qui va avec celui-là. Donc voilà. Mais sinon voilà, donc je vous conseille vraiment le soin et le shampoing restructurant. Sinon, donc il y a dans la gamme Hydra Force, non Hydra Force c'est ce que j'ai, c'est Hydra Freeze. Donc pour ça, moi personnellement j'ai pas testé, donc je connais pas ce qu'ils font, etc. Donc je vous mets dans la barre d'infos le site de Farida Bay. Donc vous allez voir les produits que vous voulez, comme ça vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Et donc voilà, donc vous allez me laisser un commentaire donc sous cette vidéo-là. Donc bien entendu, vous pouvez comme d'habitude me laisser un commentaire maximum par jour. Dans ce commentaire-là, vous me mettez que d'une part bah, vous participez, d'autre part vous me mettez quel soin en fait que vous voulez, quel produits vous voulez, donc vous pouvez choisir deux produits, vous me dites deux produits que vous voulez sur le site, j'espère que je me fais comprendre, j'ai vraiment du mal, je suis très fatiguée en ce moment, je suis désolée. Donc vous me mettez deux produits que vous voulez, si vous ne savez pas encore, ben vous me mettez que vous réfléchissez encore et que vous reviendrez me dire ce que vous avez choisi. Donc voilà, il faut être abonné à ma chaîne pour participer au concours et puis voilà, donc vous me laissez un commentaire sous la vidéo, vous pouvez la partager également, l'ajouter à vos favoris si vous en avez envie, cliquez sur j'aime comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, voilà, donc mais donc les règles, enfin les règles principales ce serait donc de partager le concours, d'être abonné à ma chaîne et de laisser un commentaire un maximum par jour, mais vous pouvez venir tous les jours m'en mettre un pour multiplier vos chances de gagner. Donc voilà, si vous avez des questions, si je me suis mal exprimée, si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à venir me le dire. Donc dites-moi le soit dans les commentaires ou soit dans les messages privés, de toute façon je regarde à tout. Donc voilà, donc il y aura trois gagnantes et trois personnes peuvent gagner deux produits. Voilà, donc j'espère que ça a été clair, j'espère que ça vous fait plaisir. Et voilà, donc moi je vous souhaite bonne chance à toutes et voilà, et je suis très contente de faire pouvoir gagner trois personnes. Donc voilà, je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.